Comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un magnifique tutoriel les gars, que je vais essayer d'être le plus compréhensif possible. Attention, c'est parti. Ok les gars, aujourd'hui tuto du jour. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est sur Xbox One les gars, ce n'est pas sur Xbox 360, ce n'est pas sur Call of Duty. C'est tout simplement comment savoir faire un groupe sur l'Xbox One. Car beaucoup de personnes n'y arrivent pas. Et moi avec mon collègue on a trouvé comment faire un groupe sur Battlefield, motherfucker, et sur Call of Duty Ghost, enfin bref, sur tous les jeux. Bon enfin tous les jeux, je n'ai pas réalisé pas encore de Rising, ça sera la semaine prochaine les gars. Je peux vous assurer que ce contenu là, ça va être de la balle. Ok c'est parti, let's wave motherfucker. Ok les gars, donc pour le début, donc pour sur Xbox One, ceci est très simple. Je vais essayer d'être le plus compréhensif pardon, possible, ça commence déjà très mal parce que j'ai envie de l'envoyer à deux chaînes communautaires et je voudrais que ces deux chaînes communautaires me prennent parce que je pense que pas beaucoup de personnes ne sait comment on fait ces groupes là et je pense que ça peut en aider plus d'un, enfin du moins je crois hein. Allez c'est parti. Ok les gars, donc déjà quand vous êtes sur l'interface de la Xbox One, moi je vous conseille un truc, c'est d'aller dans mes applications. Donc moi je vais le faire en même temps que vous pour bien me rappeler etc comment il faut faire pour pas faire de la merde. Mais si vous voulez prendre exemple par exemple sur moi, je vous conseille de vous mettre dans l'interface par exemple. Voilà, tranquillement, vous mettez dans l'interface et écoutez cette vidéo et regardez ce magnifique gameplay également. C'est un plus 50 frags, enfin moi j'ai fait 72 frags, je suis mort 17 fois. Le gameplay n'est pas extraordinaire, même si je sauce un peu, franchement j'envoie de la pâtée les gars. C'est ça qui est bon. Ok, bon on sort complètement du sujet. Allez c'est parti les gars. Alors, déjà vous êtes dans mes jeux et applications. Mes jeux et applications, pour ceux qui sont sur Xbox One, je répète, ce tutoriel est pour vous. Donc mes jeux et applications, vous avez donc une multitude d'applications normalement. Donc si vous êtes au bout de la manette c'est normal parce que je l'ai fait en même temps là. Donc sur groupe, voilà, s'il y a un truc qui s'appelle groupe, c'est sur groupe direct les gars, groupe, ok. Il y a marqué pour cette application il est nécessaire de que vous soyez connecté. Ah shit man motherfucker. Attendez les gars, je me connecte. Alors oui, pour les personnes qui veulent jouer avec moi les gars, merde vous avez peut-être entendu le son de la Xbox là, ça va pas le faire du tout dans le commentary motherfucker. Si vous voulez jouer avec moi, il n'y a pas de soucis les gars. Vous avez juste à m'ajouter The Alpinos les gars, super simple. The Alpinos, voilà, vous allez voir de toute façon il y a un gameplay, vous pourrez m'ajouter spécialement sur Xbox One les gars. Allez c'est parti. Ok les gars, donc groupe, démarrer un groupe. Ok, on clique sur démarrer un groupe direct. Direct on est chaud. Alors là il y a marqué inviter d'autres contacts, réactiver le chat du groupe ou quitter le groupe. Donc vous réactivez le chat du groupe, tac. Donc là il y a marqué inviter d'autres joueurs, stopper le chat du groupe, couper le son de tous, couper le micro, quitter le groupe. A partir de là, franchement, c'est easy beef. Ok les gars, c'est parti. Vous invitez un collègue. Ok, on va dire moi je vais inviter un collègue. Bon, moi je vais pas le faire, mais je vais faire genre. Ok, j'invite cette personne là, tiens mon pote au fusil, tac, je l'invite, bah bim bam boum. Hop là. Admettons, il rejoint mon groupe d'amis. Il faut qu'il accepte. Donc il a marqué stopper le chat ou réactiver le chat du groupe. Il faut qu'il réactive le chat du groupe. Et juste à côté de son gamer tag, il y aura un petit rond vert en expliquant que il est connecté et qu'il peut il peut parler à ses collègues ou à son collègue s'il est plusieurs ou s'il est tout seul. Malheureux, pauvre malheureux. Voilà. Donc à partir de là, admettons, je lance Call of Duty Ghost, motherfucker. Je lance Call of Duty Ghost. Donc si votre collègue est allé sur un autre jeu, comme FIFA 14, normalement ça va lui apparaître le message suivant. Vous devez changer de jeu. Donc en gros, oui, changer le jeu ou annuler. Dans ces moments-là, il faut changer le jeu, les gars. Si vous ne changez pas le jeu, votre collègue restera, s'il est sur FIFA 14, il restera sur un groupe FIFA 14, même si c'est vous qui avez créé le groupe Call of Duty Ghost. Donc en gros, il ne pourra pas vous rejoindre sur ses invitations. Donc là, pas jeu dans le multijoueur, machin. Là, votre collègue donc du coup lance le jeu. Et là, si ça demande, oui, voulez-vous changer de jeu, vous cliquez sur oui, changer le jeu. Ça ne va pas sortir le CD de votre console. Ça va juste le faire basculer sur un groupe Call of Duty Ghost.
Et donc du coup vous pourrez inviter votre collègue. Donc là moi mon jeu il charge, donc comme je vous ai dit, moi j'essaie de faire ça, on va dire là en même temps que je parle, etc. Pour que je ne pour pas que je me faille et surtout pour que justement que je ne me trompe pas dans mes propos pardon et que je sois le plus compréhensif possible. Donc connexion Xbox Live, c'est parti les gars. Et c'est à partir de là que va tout jouer, on va dire là c'est on arrive sur la fin, on va dire pas du tuto mais du tuto de faire un groupe sur Call of Duty Ghost. Je vais le faire sur deux jeux, sur Call of Duty Ghost et sur Battlefield. Et normalement si vous avez compris les deux systèmes, je pense que ça va pas vous poser de problème. Ok, récupération du profil en lieu. Waouh, comment je suis beau, prestige dernier, vol 38, motherfucker. Ok, c'est parti. Donc vous appuyez sur Y. Y qui est marqué ami, joueur récent et groupe d'amis Xbox Live. Et là quand vous êtes dans groupe d'amis Xbox Live, il y a marqué, donc vous avez, c'est vous qui avez créé le groupe, donc du coup moi il y a marqué The Alpinos, voilà. Vous avez par exemple votre collègue, moi par exemple un collègue à moi, au fusil, gros big up ma poule, il est admettons en dessous de moi et qui donc du coup il a fait accepter le jeu en lançant Call of Duty Ghost. Donc il y a marqué groupe d'amis Xbox Live, The Alpinos, au fusil. Vous allez inviter votre collègue, votre collègue va recevoir normalement une invitation sur son écran parce qu'il est dans le même groupe d'amis Xbox Live que vous, Xbox tout court, il est même dans le même groupe Xbox que vous, donc du coup il va recevoir une invitation et là il y a remarqué sur l'écran, donc l'écran à votre écran ou à l'écran de votre collègue, voulez-vous accepter de l'invitation de jeu de telle ou telle personne. Vous acceptez oui, vous rejoignez, vous voulez pas, voilà, bref. Maintenant si cette personne n'a pas reçu d'invitation, c'est-à-dire que vous avez fait, enfin vous avez mal fait la manipulation en fait, donc je vais réexpliquer. Vous faites le groupe, vous invitez votre collègue est là, machin, nickel. Si votre collègue est sur FIFA 14 et que vous êtes sur Call of Duty Ghost, votre collègue est sur FIFA 14, lance le jeu. Si on lui propose, également il y a un message qui va s'afficher sur son écran. Voulez-vous changer de jeu? Oui, changer le jeu pour que vous puissiez faire le groupe avec votre collègue. S'il fait annuler, votre collègue ne pourra pas vous rejoindre et vous serez bloqué. Il y a deux façons de rejoindre votre collègue. Soit le message apparaît sur votre écran, donc c'est bon. Ou soit dès que vous appuyez donc sur le petit rond Xbox de votre manette, en haut à gauche, il y a tout simplement votre logo et à gauche une petite boule internet que vous pouvez accepter les invitations de groupe, de jeu et voir les extraits de vos collègues. Leurs défis, dans les trophées, ça on s'en fout, c'est pas pour la vidéo. Maintenant les gars, on va passer sur Battlefield les gars. Battlefield, le jeu je crois pour faire un groupe le plus compliqué du monde. Écoutez bien, franchement, je vais essayer d'être le plus rapide possible et le plus compréhensif parce que je n'ai pas beaucoup de temps les gars. Je suis déjà à 7 minutes 40 de vidéo et le gameplay dure 11 minutes et des bananes les gars. Ok, c'est parti. Donc quand vous êtes sur Battlefield et vous cliquez sur multijoueur, c'est pareil, si votre collègue est sur un autre jeu et qu'il lance Battlefield, s'il y a marqué changer le jeu, vous devez changer le jeu. Je me répète encore mais il faut que vous ayez compris un maximum. Voilà les gars, c'est comme ça, je me répète mais tant mieux. Maintenant qu'il est sur Battlefield 4 les gars, maintenant que vous êtes tous les deux sur Battlefield 4 et que le groupe est sur Battlefield 4 les gars, là vous êtes bon, là vous êtes chaud patate. Votre pote ou vous allez sur multijoueur, soit vous choisissez un serveur où il y a de la place pour vous et votre collègue, ou soit vous êtes lancé directement en ligne. Admettons vous lancez de la domination, voilà c'est parti, de la domination de la ruée. Votre pote lance de la domination ou de la ruée. Il lance, la partie charge. Et là sur votre écran il y aura marqué, normalement, si la manipulation que je dis pour faire le groupe est bien fait, il y aura marqué, voulez-vous rejoindre le serveur 58 000 mes couilles, ruée sur la map, on va prendre une map de BF3, merde je sais même plus, n'importe quelle map, vous rejoignez, vous êtes chaud, et là vous pourrez rejoindre votre collègue. Le seul défaut que je donne au groupe de Battlefield 4, c'est que quand vous allez rejoindre votre collègue, vous avez une chance sur deux de tomber à votre collègue dans, la même équipe que votre collègue, parce que bah tout simplement on va dire que admettons il reste 10 places dans la partie et que bah vous avez moins de chance du coup de tomber avec votre collègue, puisque en fait là les personnes vont me dire oui mais en gros c'est pas comme si c'était un groupe etc. Oui je sais, mais ça reste tout de même un groupe puisque vous avez quand même de la chance, vous pourrez avoir de la chance pardon et de tomber avec votre collègue, de faire votre escouade. Après si vous quittez pas les parties, vous resterez toujours avec votre collègue
avec qui vous avez lancé ou pas. C'est pour ça que faire des groupes avec plusieurs personnes, les gars, c'est beaucoup mieux. Vous pourrez jouer plus entre vous que si vous lancez à 2 ou à 3. Vous avez un tout petit peu moins de chances de tomber ensemble. Enfin bref, les gars, j'espère quand même ce gameplay tuto Xbox One, comment faire un groupe sur BF4 ou sur Ghost, ou tout simplement savoir faire un groupe, vous aura plu. J'espère que j'ai été le plus compréhensif possible. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas ça fait 4 fois que je le dis et je pense que ça doit vous casser les roubignoles. Enfin bref, moi j'ai pris un maximum de plaisir à vous commenter ce gameplay. Il faut savoir que j'étais, donc je vais parler un petit peu du gameplay, il me reste quelques minutes. J'étais sur la map Strike Zone, muni de mon Remington, les gars, viseur laser silencieux. Il me semble que je jouais en drone IMS et tourelle automatique, les gars. Je peux vous assurer que j'ai fait un carnage. C'est pareil, si vous voulez faire des carnages sur cette map et que vous êtes tout seul ou à deux, je vous conseille de capturer. Bon, je pense que des tutos, il y en a des millions maintenant sur cette map, hein, sur YouTube. Mais tout de même, allez, hop, un petit clin d'œil, les gars. N'oubliez pas que ce Call of Duty Ghost, pour moi, est un très bon jeu. Juste la vie étant un peu faible, c'est tout. Sinon, le jeu est tout simplement parfait. En tout cas, j'espère que le gameplay vous aura plu pour la dernière fois, parce que je pense que ça va être tout pour ce tuto, ce même très bon tuto. Comme vous pourrez voir dans la partie, j'ai mon pote qui va faire péter une KM, enfin il me semble que mon pote va faire péter une KM, et voilà, je pense que ça va rendre le gameplay un petit peu mieux, enfin un petit peu plus, comment vous expliquer ça. Ça va taper dans le zigoyo, les gars, ça va y aller, ça va envoyer du pâté. Enfin bref, les gars, voilà, je perds mes mots parce que moi, les vidéos qui sont longues, moi j'ai du mal quand elles sont courtes parce que j'ai pas de sujet, les gars, j'ai pas de sujet. Moi je fais tout au feeling, les gars, vous voyez, si vous arrivez sur ma chaîne, moi je fais tout au feeling. Moi les bloc-notes, moi, à part si vraiment je dois faire un truc de précis, là oui, sûrement je les noterai. Ok les gars, ce tuto Xbox One est terminé. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super bon moment, en ma compagnie. Moi je vous dis sûrement à la semaine prochaine ou en fin de semaine pour de plus de vidéos. Les gars, allez, moi je vous dis peace out, les gars, et sûrement à la fin de semaine. Allez, ciao.